C'est Zidane qui était assis à ta place. Hein? C'est mieux qu'on ne met pas les vestes, comme ça on ressemble à une équipe. On ne met pas les vestes. T'es heureux, hein? T'es heureux. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des joueurs professionnels, dans toute leur carrière, ils ne joueront jamais au Stade de France. Donc profitez-en, soyez pas trop impressionnés, et je vous souhaite un bon match. Ok? Faites-vous rêver. Vous poser une question, est-ce que vous auriez cru une fois dans votre vie vous auriez pu faire un match ou une finale au Stade de France? Non. Est-ce qu'il y en a qui savaient que ça existait au moins ça? Non. Moi j'y croyais pas au début. Après, bah, regarde. Là on est arrivé déjà au Stade de France. Ça fait plaisir. Mais jouer Kenny! Il y a des pros qui n'auront jamais la chance de venir et nous on est là. Oh là! Le rêve, il s'arrête pas qu'aux enfants, il s'arrête à nous, au club, aux parents qui sont là, tout le monde. Je pense que c'est bien. Franchement, bravo et merci à eux. Un grand merci. Parce que je sais que c'est dur pour avoir le Stade de France, même au niveau des démarches, j'imagine. Et franchement, merci, parce que c'est un rêve pour les petits. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils le font, c'est pour ça qu'ils font bien leur travail. Un grand merci au président de la Ligue de Paris, anciennement président du district, mon prédécesseur Jamel Sandjak, qui, il y a 4 ans, et avec le soutien de Nasser Meda, l'ancien préfet du département, a réussi à obtenir ce magnifique stade mythique pour tous nos enfants et nos adhérents. C'est la 4e fois qu'on organise les finales. C'est le meilleur souvenir que j'ai de Seine-Saint-Denis, à savoir se battre pour avoir la possibilité d'organiser ces finales sur ce terrain, dans ce stade mythique. 93, c'est une vraie famille. On se réunit souvent sur d'autres actions, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle regroupe tout le monde du football départemental. On se retrouve en famille et puis on oublie l'espace d'un instant, bah, les soucis de la vie, les contrariétés. On aime le jeu, on aime le partager, on aime apprendre, on aime voir de belles choses. Merci de pouvoir obtenir un stade de qualité. Il y en a d'autres aussi, bien sûr, celui-là, il n'y a pas mieux, hein, au Stade de France. Nous, à l'époque, quand on faisait nos finales, on jouait souvent sur un terrain rouge ou un terrain sablé. Ils ont la chance, le bonheur de jouer dans cette enceinte, donc forcément, ouais, ça apporte beaucoup de plaisir aux jeunes. On aurait tous aimé pu bénéficier de ce genre d'initiative, donc on vit leur rêve et ça fait plaisir d'être là en tant qu'entraîneur fanion du FCM Aubervilliers. C'est un grand honneur que le district 93 nous permet de venir. Ça dure 4 ans, j'espère qu'on pourra continuer à le voir. C'est tout ce que je souhaite. Pour moi, c'est une vraie fierté et de ne pas oublier, bien évidemment, les années passées, mais surtout penser à demain, à savoir rendre ce rendez-vous complètement habituel au sens organisationnel, mais toujours exceptionnel pour les enfants. Sweet.
Je pense que bah, tous ces jeunes vont avoir des souvenirs de cette journée pendant pas mal de temps. Merci pour le tournoi qu'ils organisent. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est la plus belle chose qu'ils font. Voir au niveau football dans le 93 pour les petits. Quoi. Bravo aux districts. Après le terrain, il est venu. J'ai accéléré, placé. Capitano. Il y avait ma daronne, ma mère. Champion de France. Le mec, il est parti. Le gardien, il a cru, il a tiré à l'opposé. J'ai tiré au bon côté. Deux abus, doublé. En tout cas, merci aux districts pour cette belle finale. Franchement, au Stade de France, c'est magnifique. Ils n'imaginent pas les yeux pour les enfants. Sur le que vous avez accompli aujourd'hui, le travail que vous accomplissez tout au long de la saison. C'est vrai qu'on le fait souvent, on le dit souvent dans les ballons d'or, au Stade de France, quand on finit les finales. Mais voilà, on ne vous remerciera jamais assez pour toute l'énergie et tout le bénévolat que vous donnez au football départemental. Et je voudrais vraiment que vous vous applaudissiez, parce que tout seul, moi, je ne vais pas faire beaucoup de bruit. Bravo à tout le travail que vous avez fait.